Salut tout le monde, on est reparti pour la phase 3 de la bêta de Steel Division 2. Donc, comme d'habitude, d'abord vidéo de présentation des decks et puis des parties. Potentiellement dans la semaine, à voir, parce que ça va être un peu chargé là, avec la sortie d'Anno, sortie du DLC de Warhammer Total War 2. Donc, on est parti sur la 20 Panzer, deck blindé allemand. Alors... j'ai commencé comme d'habitude avec les Aufklärer. Ensuite, le Spatroop, on va en prendre en phase B. Il y a une... en phase B. Voilà. L'infanterie. L'infanterie, ils ont quoi? C'est quoi ça? C'est un. D'accord. Alors, ils ont de l'infanterie à 4 types dedans, bof. Ils ont du Erzatztruppen en phase A, bon ça de toute façon je pense qu'on est bon pour en prendre. Et ils ont du Sturmtroop que je vais également prendre pour pas me faire défoncer comme la dernière fois. Ensuite ils ont des Osttruppen, donc ça c'est encore de la milice. Je vais prendre également un commandant phase A. En phase B, on va partir sur de plus lourd, donc on va faire Panzer Grenadier. Tempe pionnière phase B également. Et au Panzer Grenadier avec cette fois-ci les Panzer, le Panzerfaust en phase B. J'ai rajouté un groupe de Panzerfaust face C ainsi que du Grenadier classique face C. En char, qu'est-ce qu'ils ont? Alors, ils ont du Panzer 3. On voit d'ailleurs que les prix n'ont pas changé. Ils ont du T-34 capturé. C'est un deck blindé ça. Et ils ont du l'IS-1 ou l'IS-2. Enfin le Joseph Staline c'est de l'IS. D'accord. Ouais c'est du blindé light quoi. Alors phase A, on a un groupe de 6 Panzer 3. Phase B, je vais prendre du Panzer 4. Un tank de commandement, enfin un groupe de commandement en B. Ah d'accord, forcément phase A, d'accord, ouais, ça refait un peu la 17 SS Panzer du 1. Mais bon, en moins bien, a priori. Et en B, on va prendre du T-34. Alors, en blindé, qu'est-ce qu'ils ont? J'ai regardé des fois qu'ils avaient un truc en fun, du Yak Panther, un truc comme ça, mais a priori non. C'est un index sans fun, a priori. On verra côté avion. Par contre, ils ont du Panzer 3 au busier, ça je le prends en phase A, c'est sympa. On va prendre également de la SMG en phase A. Opel Blitz en phase B. Grill, d'accord. Commandant, machin. Ok, anti-char, Panzer Shrek, phase A. Oui, parce qu'on n'a pas d'anti-char. C'est quoi ce truc? Enfin, c'est un canon anti-char, c'est un pack carburant, si je dis pas de conneries. Ouais, mais c'est le châssis. Parce que c'est RSO. Du coup, Marder 2, non Marder 1, on va le prendre en B, pack 40 en B également, et un pack 43 en C gradé, ok, anti-air, guépard, flak 41 en B, ou en... non je vais prendre C, ça me fera 2. Prendre également en B non gradé. Je vais voir ce que je prends, si je prends plutôt en A ou en fonction de l'air. En artillerie, on est parti pour le mortier habituel. Le Vesp, ça c'est un truc des observateurs.
On va prendre ça quand même. Petit MLRS, c'est sympa. Ça peut permettre de faire le ménage. Le Warfamon. Et puis, je vais prendre un Vesp phase E, phase B, VT. En anti, en aérien, qu'est-ce qu'ils ont? Bon, ils ont du Ju-87 avec 4 bombes de 50. Et une grosse bombe de 500. D'accord. Ils ont également avec de la bombe de 250. Ils ont du BF-109 de base. Ils ont du Ju-87 anti-char. Un du G6, donc avec. Attendez. Il manque pas de mitraillettes au G6. Je crois que le G6 c'est celui avec les pots de canon. Et là, ils ont bombe à sous-munitions, d'accord. Et ils ont. D'accord, donc c'est surtout du BF. Ils ont les anciens trucs et par contre, ils ont des bombes à sous-munitions. Donc, la reco, on s'en fout. Tac, toi en B, je pourrais en avoir combien? 2 VT, ça serait pas mal. Et toi, par contre, en. Ah. Alors, quelle est la différence? Parce que là, il y a une bombe de 500. Vitesse, il est un petit peu plus rapide, celui avec la bombe de 250, ce qui est logique. Mais pour 10 km/h de différence, autant avoir une bombe de 500. Par contre. On va aller sur la bombe de 500. Et en phase B. Alors, ça, lui, il a 4 bombes de 50. Une bombe de 250, on va prendre en phase B, non VT. Et je vais prendre celui-là avec les deux roquettes en phase A pour faire chier également. Du coup, en termes d'antillaire, phase A, 3, ouais, c'est pas mal. Et peut-être un SDK machin en phase B. Il me reste 2 points. Alors, on va prendre ça. De toute façon, je fais pas ces modes-là. Mais au moins, si un jour je décide, j'aurai quelque chose. Bah, on peut reprendre de l'artillerie. Ou plutôt de l'antichar. Ça, c'est un antichar russe. Avec le petit R. Du coup, ouais, allez, face B. Pack 43. On est bon. Sauvegarder. Et bah écoutez, je vous dis tout de suite la prochaine vidéo avec l'autre deck. Salut tout le monde!